Vous faites bien de rester sur Carrefour Télévision pour vous informer. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, inauguration du nouvel échangeur Flower Port au Ghana. Cette infrastructure routière ouvre ainsi la circulation et vient alléger les embouteillages permanents dans la capitale Accra. Par ailleurs, révélation sportive dans ce journal, la star brésilienne Vinicius Junior a surpris le monde en dévoilant ses origines camerounaises dans la nuit de mardi à mercredi à l'occasion du match contre l'Uruguay. Nous y reviendrons dans un court instant, le développement. Mesdames et messieurs, débutons ce journal, parlons de la télévision. Un phare qui guide nos écrans au milieu des révolutions numériques. Symbole de divertissement et de partage, la télévision traverse des époques. Quelles sont ces mutations à l'ère du numérique? Découvrir un média en perpétuelle transition est toujours incontournable avec la Grâce Banem. Depuis ses débuts modestes en noir et blanc, la télévision a capté l'attention de milliards de foyers, devenant une fenêtre ouverte sur le monde. 21 novembre 1996, 21 novembre 2024, voilà 28 ans que l'ONU a décrété la Journée mondiale de la télévision, célébrant ainsi un média qui continue de jouer un rôle essentiel dans la diffusion de l'information, de la culture et du divertissement, même à l'ère du numérique. Aujourd'hui, alors que la concurrence des plateformes de streaming s'intensifie, la télévision évolue, s'adaptant aux nouvelles attentes des spectateurs. D'un simple récepteur à une expérience interactive, elle ne cesse de réinventer sa mission. Dans un monde où les écrans sont omniprésents, la télévision demeure ce repère, ce lien intergénérationnel et de catalyseur de débats sociétaux. Elle nous informe, nous inspire et parfois nous unit en direct autour d'événements mondiaux. En Afrique, la télévision joue un rôle vital dans l'éducation et la sensibilisation. Malgré les défis liés aux infrastructures et aux coûts, de nombreux créateurs locaux s'illustrent par des productions reflétant les réalités culturelles du continent. Ce média agit ainsi comme un moteur économique soutenant l'industrie publicitaire et du divertissement. La télévision Carrefour, depuis de nombreuses années, a fourni d'importants efforts d'investissement en termes d'équipement qui ont été faits au fil du temps pour être concurrentiels sur le marché télévisuel. L'avenir de la télévision repose sur ses capacités à combiner technologie et narration humaine. Que ce soit pour informer, divertir ou rassembler, elle reste un miroir de nos sociétés, un outil puissant pour connecter les générations et un média en constante réinvention. Une réflexion s'impose car derrière chaque programme, chaque image, c'est un fragment de notre culture qui s'écrit. La télévision est un média qui reste toujours impressionnant. Dans un contexte de tension croissante entre le pouvoir militaire et les forces civiles, la junte malienne a procédé le 20 novembre dernier au limogeage du premier ministre Choguel Kogala Maïga ainsi que de l'ensemble de son gouvernement. Cette décision survient suite à des critiques formulées par Maïga à l'encontre du régime militaire. Idriss Yaka. Au Mali, la junte militaire renforce son emprise sur le pouvoir avec le limogeage mercredi 20 novembre du premier ministre civil, Choguel Kogala Maïga, et de l'ensemble de son gouvernement. Ce renvoi fait suite à des déclarations virulentes de Maïga critiquant ouvertement le régime militaire lors d'un discours prononcé le week-end dernier. Cette décision n'était guère inattendue, car Choguel Maïga a exprimé des critiques sévères à l'égard de la junte, suscitant ainsi un mécontentement palpable parmi les militaires. L'ancien premier ministre a notamment accusé les dirigeants militaires de ne pas l'associer aux affaires de l'État et a révélé que ces derniers envisageraient de s'engager dans un processus politique. Selon lui, les militaires aspirent à se présenter aux prochaines élections présidentielles, ce qui a provoqué une vive réaction de la part de la junte, engendrant plusieurs réunions ayant conduit à son limogeage. Actuellement, le constat est clair, le gouvernement malien est sans premier ministre, suggérant que la junte ne détient pas toutes les cartes en main. De plus, 11 opposants politiques sont actuellement incarcérés. La question se pose alors, la junte envisagera-t-elle de rétablir un équilibre en formant un gouvernement d'union nationale? Il est important de noter que la popularité de la junte diminue au Mali en raison des problèmes sécuritaires persistants, des difficultés économiques et des critiques concernant sa gestion, notamment émanant des proches de Choguel.
Pour l'heure, il semble que la junte ne se précipitera pas pour désigner un nouveau premier ministre. Elle pourrait plutôt choisir d'engager des consultations avec divers acteurs politiques afin d'initier une nouvelle dynamique dans sa gouvernance. La mission de la SADC déployée dans l'est de la RDC devrait prendre fin en décembre 2024. Les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique centrale souhaitent prolonger la mission dans le cadre des initiatives politiques et diplomatiques en cours visant à ramener la situation à la normale dans les régions de l'est de la RDC. Réunie en sommet extraordinaire ce 20 novembre 2024, la SADC a fait le point sur les résultats des opérations militaires menées par leurs forces armées dans le pays. Prenons à ce sujet Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC Botswana. De travailler ensemble à la mise en œuvre de la résolution 2746 et de collaborer en permanence dans le but commun d'assurer une paix et une sécurité durable dans cette partie de notre région. Le secrétariat s'engage à assurer un engagement continu et constant avec les agences compétentes des Nations Unies en matière de sécurité et d'aide humanitaire. Le journal se poursuit sur Carrefour Télévision. 4 jours après avoir disparu du lancement d'un livre à Nairobi, le chef de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, a disparu et est revenu ce mercredi. Arthur Cédric Moudjo. Ugandan opposition leader Kizza Besigye was arrested in Kenya and subsequently charged in a Ugandan military court with illegal firearm possession just hours after his wife reported his alleged kidnapping on Twitter. This arrest, occurring in a sovereign nation and the perceived inaction of the Kenyan government, has sparked outrage. Elias Lowago, Besigye's lawyer, strongly condemned the Ugandan government's actions, calling it a violation of Kenyan territorial integrity and suggesting potential complicity if no action is taken. He vowed to demand accountability and concrete action from the Kenyan authorities. Besigye also faces separate charges of attempting to secure foreign military support to destabilize the Ugandan army. He rejected government-provided legal representation during his initial court appearance, insisting on a civilian trial as he is not a member of the armed forces. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tchiani, signe un décret créant un comité ad hoc chargé de réécrire l'histoire générale du pays, dont la version actuelle est largement inspirée de l'histoire coloniale. Ce comité est composé de plusieurs universitaires avec la possibilité de faire appel à tous les historiens et chercheurs émérites du pays. Rappelons que depuis quelques mois, le gouvernement nigérien a entrepris une opération de changement de nom de certains de ses avenues et monuments historiques. Par exemple, la place Monteuil est devenue place Thomas Sankara, égérie de la lutte contre l'impérialisme occidental. Au Gabon, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a inauguré une centrale solaire de plaine d'Ayémé avec une capacité de 30 MW et 80 000 panneaux solaires. Ce projet alimente 300 000 foyers et place le Gabon en pionnier de l'énergie durable en Afrique. Reportage. Conçu pour produire une puissance maximale de 30 MW d'énergie solaire, la centrale solaire de la plaine d'Ayémé, premier du genre, a été inaugurée le 15 novembre par le président de la transition gabonaise, président de la République et chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Construite sur une superficie de 105 hectares, ce projet comprend la construction d'une centrale solaire photovoltaïque avec stockage batterie, la construction d'une travée de raccordement 90 kW à la sous-station de Ntoum 2, ainsi que la construction d'une ligne de transmission de 10 km de la centrale à la sous-section Ntoum 2. Le site de cette centrale solaire photovoltaïque d'Ayémé Maritime comprend un bâtiment de commande et de contrôle ainsi que 80 000 panneaux solaires équipés de suiveurs solaires. La mise en place de cette centrale solaire permet ainsi d'alimenter 300 000 foyers et à générer plus de 100 emplois. L'inauguration de la centrale d'Ayémé, dont la première phase avait été mise en service en octobre dernier, revêt un symbole fort d'un engagement en faveur de l'énergie durable et du développement économique du pays.
un jalon important dans la production et la distribution d'une électricité propre, durable et moderne. Il est à noter qu'avec cette réalisation, le Gabon devient le premier pays d'Afrique centrale à exploiter une centrale solaire avec stockage intégré par batterie. Belle avancée. Dans la même lancée au Ghana, l'échangeur Flowerpot, dont la construction a commencé à Accra en 2017, a été officiellement inauguré ce 19 novembre par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Cette infrastructure vise à faciliter la circulation entre les principales parties de la capitale Accra, réduisant ainsi la congestion et améliorant les temps de trajet des navetteurs. Michel Zili. Réalisé par la China Railway Engineering, le nouvel échangeur Flowerpot a été officiellement inauguré le 19 novembre à Accra au Ghana par le président Nana Akufo-Addo. L'infrastructure routière qui vise à alléger les embouteillages fréquents dans la capitale ghanéenne va ainsi améliorer considérablement la circulation et stimuler les activités socio-économiques dans la région du Grand Ghana. Baptisé Pot de Fleurs, ce nouvel échangeur comprend une voie à double sens de 802 mètres avec un passage supérieur moderne. La réalisation comporte également des passerelles piétonnes des deux côtés du pont, des pistes cyclables, des barrières de sécurité, des lampadaires, des marquages routiers, des feux de signalisation, des installations de loisirs, une caserne de pompiers et un poste de police. La construction du nouvel échangeur a débuté en 2017. Le contrat a duré 93 mois. Le projet a été financé par Afrexim Bank et le gouvernement ghanéen. En inaugurant cette infrastructure, le président Nana Akufo-Addo a souligné son importance, la qualifiant d'héritage pour les générations futures. Les fêtes de fin d'année s'annoncent au Cameroun et comme chaque année, certains commerçants rêvent de transformer leurs étals en mine d'or. Mais à quel prix ? Sous l'impulsion du ministre du Commerce, les autorités déploient des moyens afin de protéger les consommateurs. Olivier Blanchard nous livre ici une analyse. Afin que nul n'en ignore. Alors que les citoyens camerounais se préparent à célébrer les fêtes de fin d'année, d'autres s'affairent à monter des stratégies pour vider les poches des ménages sous prétexte de hausse de prix. La conspiration de l'appât du gain n'est plus un secret. C'est une maladie chronique qui gangrène nos marchés chaque décembre. Celui qui sur les prix s'amuse, la loi en fera sa muse. Pour le profit rapide, la morale devient timide. Face à ces abus, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a pris le taureau par les cornes. Mercredi 20 novembre 2024, de 9h30 à 19h30, il a conduit une série de concertations stratégiques avec les filières du poisson, du poulet, du bœuf, de l'huile, du riz et du sucre, ainsi qu'avec des organisations de défense des droits des consommateurs. L'objectif ? Garantir que chaque Camerounais pourra célébrer les fêtes dans la sérénité, sans craindre ni pénurie, ni envolée des prix. Le consommateur camerounais n'est pas un pigeon que l'on plume à la volée. L'argument selon lequel la hausse des prix découlerait de la rareté n'est souvent qu'un écran de fumée. Les stocks existent, les circuits sont en place. Alors, pourquoi cette folie ? C'est simple. Pour certains, les fêtes ne sont qu'un prétexte pour grossir leurs marges de manière indécente. Une main dans la poche des autres, l'autre main crie à la pénurie. La vérité sur le marché, c'est le poids que la rumeur essaye d'étouffer. Mais il est temps d'appeler un chat un chat. Ces commerçants sans scrupules qui surfent sur la détresse doivent comprendre que la loi, bien qu'impartiale, peut aussi frapper fort. Le ministre a promis des sanctions et nous osons espérer que cette fois, les fraudeurs sentiront passer la foudre. Les jours de l'impunité, ces fêtes silencieuses pour les spéculateurs doivent être révolues. Soyons clairs, la spéculation n'est pas seulement une infraction économique, c'est une insulte à la dignité humaine. En augmentant artificiellement les prix, ces vendeurs s'attaquent au panier de la ménagère, au sourire des enfants et au droit des familles de célébrer sans se ruiner. Soyons clairs, la spéculation n'est pas seulement une infraction économique, c'est une insulte à la dignité humaine. En augmentant artificiellement les prix, ces vendeurs s'attaquent au panier de la ménagère, au sourire des enfants et au droit des familles de célébrer sans se ruiner. Ils troquent l'esprit de fête contre l'angoisse des fins de mois. Dans chaque hausse malhonnête, la justice a une dette. Nous applaudissons cependant les mesures prises par le gouvernement. Que les contrôles se multiplient, que les sanctions soient exemplaires.
que chaque commerçant véreux se réveille chaque jour en craignant de voir la brigade économique débarquer. Les mêmes commerçants qui spéculent seront les premiers à se plaindre d'une baisse d'activité en janvier. Leur avidité, leur logique d'autruche économique les pousse à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Comme le dit un proverbe, quand les riches volent aux pauvres pour se faire des fêtes, ils construisent des ponts vers leur propre désastre. Bamendjou, localité située dans l'ouest Cameroun, accueille une usine avicole révolutionnaire intégrant toutes les étapes de production. Ce projet ambitieux porté par un Camerounais vise à réduire les importations, créer des emplois et atteindre l'autonomie énergétique grâce à des installations modernes dont les panneaux solaires à venir. Saïdou Al-Abdou pour les explications. Le secteur avicole camerounais, longtemps freiné par des défis tels que la dépendance aux importations, les méthodes artisanales et le chômage, connaît une révolution. À Bamendjoum, au quartier Bakang, une nouvelle usine ultramoderne construite par un Camerounais inspiré par son expérience à l'étranger voit le jour. Les aliments sont d'abord très modernes, avec l'avantage que les aliments ne seront non pas manipulés par les hommes, elles seront manipulées automatiquement, les poulets ne seront pas sur le sol. Il y a moins de risques de maladies, que ce soit pour les poulets, que ce soit pour les hommes qui y travaillent dedans. Donc nous trouvons que c'est déjà un grand avantage. Et en plus, l'installation de cette ferme ici-là va permettre aux jeunes du coin de trouver déjà du travail. Avec une capacité de production de 4000 tonnes par heure, un poulailler de 40 000 volailles et une poussinière moderne, cette installation intègre toute la chaîne de production. L'objectif, réduire les importations, créer des emplois et garantir une production locale compétitive. Tu es fait pour venir en appoint aux autres éleveurs dans la région. Nous pouvons chauffer non seulement nos poussins, mais nous pouvons également chauffer des poussins, des partenaires installés dans la région. Moi, ce projet, je l'étudie depuis 10 ans. Après avoir fait le constat sur le terrain au Cameroun, commencer à visiter les fermes en Europe. Je vais travailler un mois, je travaille à la poussinière, je travaille dans les bâtiments adultes, je travaille au tri des œufs, au calibrage des œufs, pour savoir réellement qu'est-ce que ce type de ferme impose comme difficulté et comment est-ce que moi je peux copier ça et venir implémenter chez moi en sachant que chez moi, je n'ai pas telle possibilité qu'on a en Occident. Cette initiative est soutenue par l'État dans le cadre de la politique d'import-substitution. L'accompagnement est juste inestimable. Sans cet accompagnement, nous ne serons pas au niveau où nous sommes. Il faut être honnête. Ce projet crée non seulement des emplois, mais vise également l'autonomie énergétique grâce à l'installation prochaine des plaques solaires, rendant l'usine encore plus durable. Un symbole d'un Cameroun tourné vers l'autonomie et la modernité. Par ailleurs, au Cameroun, l'Union européenne a annoncé mardi un prêt de 96 milliards de dollars pour le développement de ses infrastructures et attirer les investissements étrangers. Sur 3 ans, ce financement vise des projets stratégiques à l'instar de l'énergie, des routes et un réseau ferroviaire reliant le Cameroun à son voisin, le Tchad. Un pont sera aussi construit sur le fleuve Ntem connectant le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il faut savoir que ce financement ne vient sans condition car l'Union européenne appelle à une gestion rigoureuse des fonds face au phénomène de corruption qui se vit dans le pays. Les dirigeants du Libéria et de la Sierra Leone se sont engagés à renforcer leurs relations bilatérales entre leurs deux pays à travers de meilleures relations commerciales, une collaboration dans la lutte contre la faim et le chômage par des initiatives agricoles innovantes. Ces engagements ont été pris lors de la première visite officielle en Sierra Leone du président libérien Joseph Boaké. Michel Zili. Le président du Libéria, Joseph Boakai, a quitté son pays le 18 novembre pour une visite de travail de 4 jours dans la République voisine de Sierra Leone à l'invitation de son homologue sierra-léonais, le président Julius Maada Bio. Au premier jour de visite de travail du dirigeant libérien, Joseph Boakai et son hôte se sont engagés à promouvoir l'unité et la paix sous-régionale. Les deux chefs d'État ont également eu des discussions stratégiques
pour renforcer les relations bilatérales et faire progresser la coopération régionale. Dans le cadre de l'Union du fleuve Mano, les discussions ont également porté sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce, la coopération transfrontalière et la sécurité régionale. Cette visite reflète l'engagement du Libéria à approfondir les partenariats et à favoriser la collaboration économique, sociale et politique dans la région. Le Libéria et la Sierra Leone sont les membres fondateurs de l'organisation des Mano River Union, en abrégé MRU, un bloc sous-régional comprenant 4 pays dont la Guinée et la Côte d'Ivoire qui recherchent l'intégration régionale par le biais d'une collaboration économique et politique. À noter que cette visite est la première de Joseph Boakai en Sierra Leone depuis qu'il a accédé au pouvoir en janvier de cette année après des élections remportées face au président sortant George Weah. Après l'Argentine et le Brésil, le président français Emmanuel Macron se trouve au Chili où il s'est exprimé ce jeudi devant le Congrès. Si sa visite comporte un important volet économique, elle vise également à resserrer les liens diplomatiques avec un sous-continent que la France et l'Europe ne peuvent pas négliger. Devant les députés et les sénateurs chiliens, le président français a fait le bilan des relations entre la France et le Chili et plus généralement avec l'Amérique latine. Cette tournée d'Emmanuel Macron est la plus longue qu'il effectue en Amérique latine depuis le début de son premier mandat. Elle marque, selon l'Élysée, une nouvelle étape dans la relance du partenariat de la France avec l'Amérique latine. La 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, l'ère du numérique au service de la langue. L'Académie française, célèbre l'achèvement de la 9e édition, reflet d'une langue vivante, porteuse d'histoire et en constante adaptation. Un récit que nous signe la Grâce Banem. L'Académie française vient de clore une étape majeure dans son histoire, la publication de la 9e édition de son célèbre dictionnaire. Ce n'est pas seulement une œuvre lexicographique, mais une véritable immersion dans l'ère numérique, offrant des outils modernes pour redécouvrir les richesses de la langue française. Cette transition s'inscrit dans une dynamique visant à rendre la langue accessible et pertinente à l'échelle mondiale. Pour la première fois, toutes les éditions du dictionnaire, depuis celle de 1694 jusqu'à l'actuelle 2024, sont disponibles sur une plateforme numérique. Ce portail innovant permet aux internautes de consulter plus de 250 000 articles, de comparer l'évolution des mots à travers les siècles et de naviguer de manière interactive. Une application mobile gratuite prévue sur Android et iOS enrichit encore cette accessibilité, rendant l'outil utilisable à tout moment et en tout lieu. L'interface numérique offre des recherches avancées, un correcteur d'orthographe intégré et des liens hypertextes vers des ressources externes. Elle inclut également des notices explicatives comme « dire, ne pas dire » qui aident à mieux comprendre les usages et les évolutions de la langue. Ces ajouts démontrent l'ambition de l'Académie de faire du dictionnaire une ressource à la fois savante et pratique pour les professionnels, les enseignants et les passionnés. Avec cette édition, l'Académie française illustre un équilibre remarquable entre tradition et innovation. Loin de se limiter à une simple mise à jour lexicale, cette démarche numérique reflète une volonté de rendre la langue vivante et accessible à une nouvelle génération d'utilisateurs. Ce pas vers le numérique garantit également que le dictionnaire reste une référence incontournable dans un monde en constante évolution. Parlons de ce drame en Serbie. L'effondrement brutal de l'auvent en béton de la gare ferroviaire de Novi Sad a causé la mort de 15 personnes et plusieurs blessés. Cet événement tragique a suscité une vague de protestations, les manifestants réclamant la démission du gouvernement. Reportage de Saïdou Al-Abdou.
Deux semaines après l'effondrement tragique du toit de la gare de Novi Sad qui a causé la mort de 15 personnes âgées de 6 à 74 ans et fait 3 blessés, les manifestations ne faiblissent pas. La population continue de protester, exigeant le départ du gouvernement accusé de négligence. De nombreux Serbes pointent une corruption endémique qui aurait conduit à des travaux de rénovation bâclés dans cette station construite en 1964 et rénovée deux fois récemment dans le cadre d'un accord avec des entreprises de construction chinoise. Face à la pression, le ministre des Infrastructures, Goran Vesic, a démissionné, suivi récemment par le ministre du Commerce, Tomislav. Les autorités ont promis une enquête approfondie, mais les manifestants dénoncent l'inaction et la responsabilité du gouvernement. En réponse, le pouvoir met en garde contre toute perturbation à l'ordre public, tandis que la colère populaire continue de monter. Révélation sportive dans ce journal. L'ambassade du Cameroun au Brésil exprime sa satisfaction suite à la révélation des origines camerounaises de Vinicius Junior, attaquant vedette du Real de Madrid. Cette découverte rendue possible par la campagne Golden Roots de la Confédération brésilienne de football souligne l'importance des liens ancestraux et de la richesse du patrimoine culturel. Idriss Yaka. L'ambassade du Cameroun au Brésil s'est réjouie après l'annonce des origines camerounaises de Vinicius Junior. Le 20 novembre, cette information a été relayée sur sa page Facebook. Il a été révélé que la Confédération brésilienne de football a lancé la campagne Golden Roots afin d'explorer les origines des joueurs de la Seleção. Cette initiative a permis d'identifier les racines camerounaises de Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid. La Confédération brésilienne de football a collaboré avec AfricanAncestry.com, une référence dans le domaine du suivi génétique des afro-descendants à travers le monde. C'est cette agence qui a établi que les ancêtres du numéro 7 de la Seleção proviennent de la tribu Chica au Cameroun. Vinicius Junior et son père ont eu l'opportunité de découvrir cette information sur la pelouse de l'Arena Fonte Nova, stade situé à Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil, juste avant le coup d'envoi du match entre le Brésil et l'Uruguay, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est crucial pour nous de connaître nos origines. Les Brésiliens, en effet, ignorent souvent d'où viennent leurs ancêtres. Cependant, je suis ravi, nous sommes Camerounais, a déclaré Vinicius José Paissao de Oliveira, père du joueur, dans une interview. Le 19 novembre, l'attaquant brésilien a reçu un certificat d'ascendance afin d'officialiser cette découverte significative. Ce certificat lui a été remis la veille de la commémoration de la conscience noire au Brésil, une journée dédiée à honorer la mémoire de Zumbi dos Palmares, héros emblématique de la résistance contre l'esclavage au Brésil. C'est également cette commémoration qui a incité la Confédération brésilienne de football à initier la campagne Golden Roots. Par ailleurs, le footballeur brésilien Vinicius Junior s'exprime contre le racisme dans le sport. Il insiste sur la façon dont il a été traité injustement en raison de sa différence de race. Cynthia Chiwo. Brazil implemented FIFA's anti-racism gesture for the first time. During the World Cup qualifier against Uruguay, Brazilian star footballer Vinicius Junior, who himself has experienced racism on the field, has been vocal about the need for stronger measures to address the issue. The Real Madrid star forward said the fight against racism in football was everyone's battle and not something he could do alone. I always say, it's everyone's fight. I know my strength and visibility. I can speak for all those people who don't have it, or who are afraid, or who go through things and aren't always believed, he said. During a match, players can cross their arms in front of their chest to let the referee know they are experiencing racist insults. This action prompts the referee to follow a three-phrase procedure. Vinicius stressed that eradicating racism requires collective action, and black people have suffered for a long time, and time has come when all the players together have the strength to fight. So let's keep going together, firm and strong, so that the children in the future can have a better life, he added. This gesture was approved during the 74th May FIFA Congress in Thailand. Au plaisir de vous retrouver à notre prochaine édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Madame Hadji Aminatou Moulium était à la supervision générale de ce journal. Merci aux équipes qui ont travaillé pour sa production.